Donc voici un petit, enfin petit, un humidificateur de marque Maxio, plutôt réussi au niveau design, très joli, look moderne. On ne sait pas trop ce que c'est, en tout cas ça ressemble pas à un des humidificateurs. Alors premier reproche que je lui fais, c'est son alimentation. On est un petit peu court, ça fait à peine 1 mètre de câble, donc si on veut le fixer quelque part, il faut une prise assez proche. L'utilisation se fait plus que simplement, on ouvre le capot, on met de l'eau à l'intérieur, on a une petite jauge max l'eau qui permet de voir si on en met trop ou pas assez. Après, hop, on referme. On appuie sur Power. Et comme par magie, la vapeur sort aussitôt. Il n'y a pas du tout de temps d'attente. C'est assez impressionnant. Donc là, on va pouvoir régler très simplement la quantité d'eau, petit, moyen, haut. On va pouvoir choisir le pourcentage d'humidité que l'on veut dans la pièce. 32, 40, 60, 70. Là, je vais mettre 60. On peut mettre un timer, 2 heures, 4 heures, 8 heures. Donc dès qu'il atteint ce pourcentage d'humidité, il s'éteint. Et on a donc une vapeur sèche, sans aucune flaque d'eau. Là, je mets un mouchoir. Hop. On voit bien que la brume est redirigée. Et là, mon mouchoir. Voilà. Il n'y a pas de tache, il n'y a rien du tout. C'est assez bluffant. Donc, fonctionnement super rapide, look sympa. Bah, il est pas mal. En tout cas, il me plaît bien. C'est adopté.